Bonjour à chacun. Nous sommes le troisième jour de la semaine sainte, puisque le premier c'est le dimanche à Rameau. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans cette semaine sainte? Nous ne sommes pas en train de regarder la mort d'un homme dans un esprit morbide ou gore, mais il s'agit plutôt pour nous de voir l'amour qui se déploie avec puissance. Dans le texte que nous avons entendu, c'est ce que nous voyons entre autres. Notre unité pastorale comprend l'Église du Sacré-Cœur, et ici, il y a vraiment le cœur de Jésus, l'amour de Christ qui se déploie, qui se manifeste de manière très forte. Dans la tradition de l'Église, eh bien, on a progressivement compris, notamment grâce à Marguerite Marie, à la coque, que lorsque Jésus donne la bouchée, il a révélé son amour de manière très forte. Donner la bouchée était un acte d'un très grand amour, en fait. Et donc, quand Jésus donne la bouchée à Judas, eh bien, il manifeste profondément combien il aime Judas. Et il le fait réellement. À côté se trouvait le disciple que Jésus aimait. Et dans la tradition aussi juive, on se couchait, on mangeait assis, couché sur le côté. Et donc, Jean, qui était juste devant lui, a pu retourner sa tête et poser son oreille contre son cœur. Et là, dit Saint Jean à Sainte Marie-Marie à la Coque et puis à Saint Gertrude aussi et à Sainte Mathilde qu'il a entendu ses battements de son cœur et les battements du cœur de Jésus. Et ça l'a permis de réaliser combien Jésus aimait profondément Judas et combien il était bouleversé aussi, bouleversé dans le sens que il aime et il n'est pas aimé de retour. Et c'est peut-être là une des leçons d'aujourd'hui, c'est de voir en fait que le Seigneur aime même s'il n'y a pas de retour. Et cela a bouleversé Jésus, bouleversé Judas, c'était un choc aussi pour Jésus, mais comment se fait-il que l'amour n'est pas aimé en retour? Comment est-ce possible? Pierre dit à Jésus, je vais te suivre, il n'y a pas de problème, je mourrai pour toi. En fait, nous ne sommes pas capables d'aimer sans retour. Et même souvent on se dit, si je ne suis pas aimé, alors ça me donne l'autorisation pour ne pas aimer non plus. Jésus ne rentre pas dans ces dynamiques. Nous sommes incapables de le faire. Il faut d'abord, et Pierre aussi, il faut d'abord que Jésus le vive, et alors grâce à lui, nous pouvons le vivre aussi. Donc, demandons au Seigneur, pendant cette semaine sainte, de pouvoir contempler la puissance de l'amour de Dieu qui se déploie en Jésus avec force, avec grande puissance.